Jingle bell, jingle bell, jingle all the run. Nanana, on ouvre le calendrier. Hey, on ouvre les trois calendriers aujourd'hui. Quelle surprise nous allons avoir. Oui, j'ai mon micro, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, eh bien, on regarde. Allez, déjà, on va appeler Ivy, parce qu'il faut la tirer, elle. Ivy! Faut la tirer, c'est pas gagné, hein. Il faut que je me prépare. Faut que je prenne. Ah, déjà. Nous avons le calendrier de l'Avent, une fumisterie. Hier, j'y suis allée. Je devais avoir moins 25%. J'ai attendu 20 minutes à la caisse et elle m'a dit, mais en fait, on va le faire nous-mêmes. J'ai dit, ouais, mais j'ai acheté énormément de fruits et légumes à partir du terreau. Vous m'avez demandé d'acheter beaucoup plus que ça. Du coup, il s'avère que je voudrais avoir les 25%. Je ne les ai pas eus encore. Donc aujourd'hui, normalement, ce sera. Je regarde, excusez-moi, je mets mes lunettes. À partir de 10 euros d'achat sur la crèmerie libre-service. En fait, ils sont malins, hein. Une personne qui est seule, elle ne va pas acheter 10 euros de crèmerie, quoi. Moi, je vais acheter 2 euros, 4 euros, 6 euros maximum. Ils sont malins, hein. Donc, leur truc, c'est franchement n'importe quoi. Voilà, mais bon, ça peut vous intéresser. Il faut le calendrier, vous le demandez, ils vous le donnent et vous avez le bon de réduction. Mais ils ne sont même pas fichus de vous le mettre. Donc, c'est un peu un problème, hein. Bon, allez, on y va, on attire Ivy. Ivy! Ivy! Il y a bébé, il y a maman. Je vois que vous êtes toute seule à le faire là. Ivy! Il y a maman. Je sais pas ce qu'elle a en ce moment, elle boude. Je sais pas ce qu'elle a. Bien, on y va. Alors, donc du coup, eh bien là, alors la machine à laver aussi, mais c'est pas grave, il faut être heureuse, il faut être bien. La vie en rose. 2020, mais c'est pas grave. Alors, la machine à laver, ils m'ont appelé. Pour ceux qui me suivent, ils m'ont appelé, et ils m'ont demandé si je la prenais. Je leur ai dit, mais attendez, vous la livrez ou pas, comme c'était convenu. Ah ben non, il faut venir la chercher. Je dis, attendez, on va certainement pas aller dans Paris chercher une machine, la mettre dans votre voiture et après la monter chez moi, c'est impossible. Je leur ai écouté, dans ces cas-là, gentiment, je leur ai dit. Moi, je vous souhaite de vendre la machine, hein, mais moi, je ne vais pas l'acheter, quoi. Puisque sur le Bon Coin, maintenant, on peut livrer. Vous ne voulez pas livrer, c'est. En fait, c'est avec Mondial Relais. Ça ne vous intéresse pas, je peux comprendre. Eh bien, dans ce cas-là, ce n'est pas grave. Du coup, j'attends le Black Friday. Mais j'ai déjà vu une machine sur. Parce que je ne vais pas mettre trop cher, hein, je n'ai pas un budget énorme. Hein. Je vais acheter une machine sur Electrodépôt. Ou alors j'en ai vu une sur Conforama et j'ai vu, je crois que c'est, je sais plus où je l'ai vue, j'ai fait un capture d'écran, c'est une Braun, je crois que c'est Darty. Elle est normalement à 499 et là je l'aurai à 299. Donc je pense que ça peut être intéressant, mais bon, on verra, j'attends le Black Friday. Bon, alors en attendant, on ouvre le numéro 2. Il est là. Qu'est-ce qu'on peut avoir au numéro 2? Mais qu'est-ce qu'on peut avoir? Un vernis, c'est sûr. Ah, oh, si c'est un top coat, c'est top. Oh là là. Alors, je crois que c'est un top coat. Regardez. Dites-moi, vous, si vous trouvez que c'est un top coat. Alors, même avec les lunettes, je vois rien. Alors, imaginez comment c'est écrit petit. Vernis. Non, c'est un vernis. C'est pas un top coat. En tout cas, il est super. Il faudrait que je regarde hein, parce qu'il y a toute la notice là, mais bon. Voilà, je suis très contente d'avoir eu ce petit vernis comme ça. Franchement, trop bien. En plus, la marque ici, c'est vraiment super. Alors, maintenant. Ah, celui-là. Jingle bell, jingle bell, jingle and the run. Nanana, nanana. À votre avis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore faire une connerie. Mais oui, vous me connaissez. Moi et les conneries, ça y va. Hein. Mais déjà, je vais casser mon sapin, moi. Voilà. Jingle bell, jingle bell, jingle on the run. Nanana, jingle bell, jingle bell, jingle on the run. Écoutez, la vie est trop triste. Il se passe trop de choses, la vie est trop triste pour ne pas s'amuser. Amusons-nous, faisons les fous. Celui-ci, donc, numéro 2.
Je sais pas pourquoi vous le voyez à Comme ça, vous l'envers, allez le voir mais à à l'endroit. l'endroit. Je sais pas. Si je vous le mets comme ça, moi, pour moi, quand j'ai regardé hier, je le voyais à l'envers. Donc je vais le mettre comme ça et on le verra à l'endroit. Normalement. Bravo. Alors aujourd'hui, j'espère venir à IKEA. En même temps, IKEA, il y a Action, il y a Boulanger. Donc, il y a une petite boutique. Je me fais mal, là, mais c'est rien. Donc, du coup, je pense. Ah, je le vois. Non, je ne le vois pas du tout. En plus, moi, pour moi, il faut que je le voie à l'envers. Vous imaginez un peu? Il est où? En ce moment, je me suis aperçue de ça. Oh, j'ai l'impression que c'est. Eh, ça va faire comme hier. On va mettre 10 ans. Oh, c'est un crayon. C'est un crayon. Ah ouais, il faut que je vous montre comme ça. Alors attendez, c'est un Donc, crayon. Pour se moi, casser les ongles, c'est champion du monde. Hein. Va falloir que je trouve un système pour l'ouvrir demain mieux. Vous êtes pressés? On va chanter une chanson? Allez. Bon, qu'est-ce que vous allez faire de beau aujourd'hui? On est le 2 décembre. Est-ce que vous allez faire les magasins? Est-ce que vous avez préparé les achats? Parce que là, on en a pour 10 ans. Vous savez que j'étais blonde ah avant, oui. vous savez, regardez, c'est très bien fait. Il y avait une toute petite encoche qui était là. Vous pensez que je l'ai vue? Elle était ici, là, là. Je ne l'ai pas vue. Championne du monde. Oui, alors qu'est-ce que vous allez faire de beau? Donc, nous avons un joli petit crayon noir, crayon yeux. Bah voilà, il est pas mal du tout. Franchement, petit format, très bien. Moi, j'apprécie beaucoup. Voilà, je suis très contente. Et nous avons le clou du spectacle. Ivy! Je ne sais pas, on va prendre le nounours, hein? On va prendre le nounours puisque Ivy vient pas. Ivy! Viens, bébé! Vous êtes pressé. Oui, je suis pas Bon, alors, donc aujourd'hui, je vais faire, j'espère. J'ai une méga nouvelle à vous annoncer, archi méga nouvelle, vous n'y attendez pas, mais je ne vous le dirai pas. Je vous le dirai que quand ce sera fait. Bah ouais, on n'a pas beaucoup d'abonnés, j'ai 2700 abonnés, mais je pense qu'il y a quelque chose qui fait une effervescence ou je ne sais pas quoi. Voilà, bref. Alors, Ivy, mais je peux absolument rien dire. Vous la voulez? Mais allez, allez, c'est vous qui faites Ivy, ok? Et on l'ouvre. Ivy, viens, maman, va ouvrir ton cadeau. Bon, tiens, c'est pour toi. Mange, mange. D'accord. Ok, donc tu veux voir ton cadeau, je suppose. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un petit truc, hein. Là, le 3. Oh, c'est trop mignon. Et en plus, chaque petit jouet a comment dire, une étiquette. Vous vous rendez compte? Chaque jouet était emballé individuellement avec l'étiquette. Ivy! Ivy! Non, mais vous avez déjà vu ça, vous, un chat qui bouge même pas ses fesses? Ah, mais c'est dommage, j'aurais fait écouter ma meilleure amie au téléphone. Je la fais écouter quand elle l'entend, elle arrive tout de suite. Mais là, malheureusement, je filme avec le téléphone, donc ça ne va pas être possible. Donc, on essaye une dernière fois, allez. Ivy? Bébé? Où est le bébé à maman? Ivy? Mimi? Ma mère, elle l'appelle comme ça, Mimi. Mimi? Bon, bah. Ah, ça y est, elle sort, elle sort, elle sort, elle sort. Il y a Mimi! Elle était juste devant moi, en dessous de la table. Viens, Mimi! Parce qu'en dessous de la table, il y a tout le décor de Noël. Je vais tourner après, mais vous connaissez un petit peu. Dans mon intro, vous le voyez d'ailleurs. Ivy! Allez, viens! Attendez, on va la voir. Je ne vous dis pas comment c'est compliqué. Hein. Ivy, regarde maman ce qu'elle a lu pour toi. Ivy, viens! Ivy! Bon, en tout cas, en attendant, je veux absolument que vous la voyez. Ivy! Vous avez vu comment elle est? Elle est pourriatée. C'est une vraie princesse. Elle arrive quand elle a envie. En tout cas, donc je vous disais, je vais peut-être aller. Alors, je suis super contente parce que voilà, mon ex-mari va venir, il va faire beaucoup de rangement parce que je ne peux pas, vous savez bien, lever les bras
tout ça, je ne peux pas mettre trop la tête en l'air. Donc, Ivy, viens, viens maman. Et du coup, eh bien, il va m'aider. Mon ex-mari va m'aider, il va me faire le ménage, il est super gentil. Et il va me faire du rangement dans la maison, parce que je vais en avoir besoin. J'en ai, hein, c'est propre chez moi, hein. C'est pas sale du tout, hein, loin de là. Hein. Mais j'ai envie que ce soit encore plus que ça. Et comme j'ai pas la machine à laver, j'ai pas tout ça, donc voilà, il faut, voilà, il faut. Et je veux vraiment que ma maison soit nickel chrome. Voilà. Donc elle l'est, c'est pas le problème. Mais je veux que ce soit rangé mieux que ça, qu'il y ait plus de place. Ivy, non mais hé. Hey. Mais vous vous rendez compte? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle sait que je filme. Et elle est jalouse. Je vais la chercher. Vous êtes patient? Mais je sais pas comment je vais faire pour la chercher parce qu'elle est coincée. Alors, vous savez quoi? On va aller. Viens, Ivy. Tiens, regarde, maman, qu'elle l'a trouvé. Regarde. Tu sens? Regarde, c'est un jouet pour toi. Regarde, bébé. Regarde. Regarde, c'est un jouet. Tiens. comment elle s'en fout complètement. Moi, je sais pas. Moi, j'ai un chat. Elle est bizarre. Hein. Elle n'est pas comme les autres. Hein. Quand je lui donne un jouet, elle mange le cordon. Mais comme je vous ai dit, faut savoir que c'est un chat qui a eu très peur quand elle était jeune, à 15 jours. Elle a eu très peur et voilà quoi. Elle n'a pas eu sa maman. Et donc voilà, c'est pour ça. Donc, mademoiselle, elle vient que quand je filme pas. Bon, je vais enlever ça. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Et puis demain, on découvrira ce qu'il y a encore dans ces calendriers de l'Avent. Et notamment le jouet qu'elle s'en fout royalement. Bon, puis, ah oui, j'ai encore une des nouvelles de Lucky. Lucky, aujourd'hui, je lui ai préparé tout un paquet avec des croquettes, avec de la pâtée, avec deux coussins, dont un coussin qui est magnifique, c'est le Pumpy. Là, Ivy, elle n'a jamais voulu aller dedans, mais vraiment, jamais, 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 même pas un pied, rien, même pas une patte. Donc, je me dis, bah, autant le profiter à Lucky. Lucky, elle sera très contente. Voilà, et elle m'a dit, ça va lui faire super plaisir. Donc, je l'attends, elle arrive vendredi et comment dire, j'ai préparé plein de petites choses pour elle, une petite boîte à croquettes, plein de choses pour Lucky. Et je lui offrirai son cadeau de Noël à Lucky quand ce sera ben, le moment. Voilà, en tout cas, je vous fais plein de bisous. Je vous dis I love you, ich liebe dich, te quiero, ti amo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Oui, abonnez-vous. Abonnez-vous, on fera les fous. Et oui, ça me fait plaisir. Abonnez-vous, on sera chez nous. Oui, on est chez nous. Et je vous fais plein de bisous, mes choubidous.